Mais qu'est-ce qu'on fait là avec tout ce bazar? C'est la fête, on s'amuse, on profite de la vie. Franck, qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de toi. Je suis à la retraite. Tu n'as plus tué qui que ce soit depuis des mois. C'est plutôt positif. Ils vont débarquer, je le sens, Franck. Il y a 4 jours, quelqu'un a dit que nous avons tous les deux participé à une opération clandestine. En pleine guerre froide, une arme d'une mégatonne en pièces détachées a été transportée secrètement à Moscou pour y être remontée. Le scientifique s'appelait Edward Bailey. Il est interné dans un asile de fous. Franck Moses, ça par exemple, pourquoi tu as tant vieilli? Il y a plus de 32 ans que vous avez été interné ici. Sacré Franck, ah, tu te moques de moi? Allez, bats-toi si t'es un homme. 11 millions de personnes vont mourir si vous ne nous aidez pas. Est-ce que vous pouvez nous dire où cette bombe est cachée? C'est moi qui l'ai inventée. Ça va être très dur. Le M6 vient de me confier la mission de te tuer. Apparemment, tu es en tête de liste des personnes recherchées par Interpol. Et qu'est-ce que tu as? Moi, je dis qu'il faut jouir de la vie tant qu'elle est là. Ils envoient aussi un vieil ami à toi. C'est le meilleur tueur à gage au monde. On a besoin d'aide. Bonjour, Franck. C'est qui, celle-là? Une catastrophe. Comment va la vie? Oui, en fait, Franck, comment va la vie? Qui t'a permis d'embrasser ma femme? Ce qui se passe au Kremlin ne sort pas du Kremlin. Tu lui as donné une arme alors qu'elle ne sait même pas comment on s'en sert? Je sais très bien comment on s'en sert. Ça nous rappellera le bon vieux temps. Je hais cette pétasse. Tu es mort, Moses. Pas encore. Jamais entendu parler de vous. Ça devait être avant ma naissance. Tu me connais maintenant. On sauve le monde. La zdrovie! La zdrovie! Fedrodni de...